Et Wakandé, comment ça va? J'espère que vous avez bien fait soigner ce Noël 2023. J'espère que vous avez bien profité pour manger et rire à gorge déployée. Aujourd'hui, ce sera un numéro un peu spécial de What Happened Stories. Tout d'abord, nous allons parcourir mes 5 spots favoris de la Martinique. Et en parallèle, nous allons nous focaliser sur les 5 stories qui vous ont le plus plu en cette année 2023. C'est parti! Amis, bienvenue aux Trois Îlets. C'est l'une des villes les plus touristiques de l'île. Elle se trouve dans le sud et c'est une ville extrêmement animée en période touristique. C'est un petit coin de paradis que je voulais partager avec vous. On commence tout de suite notre top 5 des stories préférées avec un photographe américain du nom de Dawood Bey. Dawood Bey, quelle carrière! C'est franchement l'un des photographes les plus expérimentés. Sa carrière s'étend sur 5 décennies. C'est clairement un poids lourd du game. Je dois vous avouer que c'est l'une des stories que j'ai pris le plus plaisir à partager avec vous. Ses photos noir et blanc, notamment sur Harlem, c'est juste un modèle du genre, clairement. Les amis, bienvenue au Anse d'Arlet. C'est une ville encore plus au sud que les Trois Îlets. C'est franchement un coin que j'apprécie particulièrement. La plage est magnifique. Le point de vue derrière moi est juste incroyable. Et c'est vraiment un endroit où on peut se poser au calme. Voilà. On continue avec notre top 5 pardon, des stories favorites. À savoir, cette fois-ci, un artiste qui a ébloui cette fin d'année 2023. En l'occurrence, Prince Gyasi. Prince Gyasi, lui, c'est LA surprise du chef en 2023. Le fait qu'il ait été sélectionné par la marque Pirelli pour établir le calendrier, ça a été la cerise sur le gâteau. Son talent, on le connaît, ses photos en couleur parlent d'elles-mêmes. Et je dois vous avouer que ce qui me fait particulièrement plaisir, c'est qu'il a ouvert la voie, il va ouvrir la voie à d'autres artistes afro-descendants. Car c'est le premier artiste afrodescendant à avoir été sélectionné par la marque italienne. Les amis, nous sommes actuellement au Rocher du Diamant. C'est un des points touristiques incontournables de l'île. Juste admirer la vue. On continue notre top 5 avec une story qui vous a ému. Assez rocambolesque, c'est le moins qu'on puisse dire. Celle de Halim Ali Flowers. Halim Ali Flowers, c'est clairement l'une des stories les plus marquantes de cette année 2023. Vous ne vous êtes pas trompé, effectivement, ce garçon qui a été condamné à tort, à mort, à l'âge de 16 ans, avant d'être sauvé par son talent artistique. C'est juste complètement ouf. Il a exposé cette année à Paris. Pour moi, c'est la révélation de l'année. Derrière moi se trouve le monument le plus symbolique de l'île, à savoir le mémorial Cap 110. Il représente en fait le commerce triangulaire. Ces 15 statues sont placées sous forme triangulaire. Chaque statue pèse 6 tonnes et elle représente les esclaves qui sont morts lors de leur arrivée à travers un bateau négrier qui a échoué sur les côtes de l'île. Alors ce n'est pas un hasard si je choisis ce site, puisqu'en top 2, notre rétrospective se trouve un Martiniquais du nom de Kenny Germé. Kenny Germé, alors là, on s'attaque à du lourd.
C'est l'un des artistes martiniquais qui évolue, mais vraiment dans les hautes sphères de la mode internationale. Il voyage tout le temps. Il est très demandé. Il faut dire que ses photos sont juste amazing, comme disent les Américains. En gros, l'élégance dans la sobriété, c'est vraiment sa marque de fabrique. Vous ne vous ayez pas trompé en sélectionnant cet artiste. C'est clairement un artiste qui va compter en 2024. Alors ici, c'est mon spot favori. C'est là où je recharge mes batteries. Quand j'ai besoin de retrouver mes idées, c'est ici que je viens. Quand j'ai besoin de retrouver de l'inspiration, c'est ici que je viens. C'est vraiment mon spot à moi. Et quoi de mieux, quoi de plus idéal de terminer cette rétrospective par ce lieu. Eddie Ochieri, cet artiste britannique d'origine nigériane, vous a conquis en cette année 2023. C'est l'artiste qui a vraiment le plus marché au niveau des Bollywood Stories. Il faut dire que ces photos du Wu-Tang Clan, alors qu'ils étaient au top, nous replongent dans les années 90, cette année, en fait, ces années où le hip-hop et le R&B étaient au top. Donc je pense que son travail qui est empreint de nostalgie fait écho en chacun d'entre nous, ce qui explique son succès. Voilà, Eddie Ochieri. That's all folks, c'était la rétrospective 2023 de Bollywood Stories. J'espère que vous avez kiffé. Je compte sur vous pour me soutenir encore plus en 2024. Allez, sur ce, ciao, ciao, à 2024, bye bye.